Bon, les frérots, ça y est, il est quelle heure? Il est cher. Enfin bref, là aujourd'hui les gars, la ville a la chance d'accueillir les gars les Paralympiques. Oui les gars, c'est comme si on accueille l'Europa League chez nous, à Clichy-sous-Bois. Donc là, il y a les Paralympiques. Exactement, c'est le paracyclisme qu'on accueille chez nous. Et là, j'ai vu qu'il y a un peu des endroits pour faire des petites activités, etc. J'allais un peu pour voir ce que c'est. Ah, ça représente la ville. On est content. Les Paralympiques à Clichy-sous-Bois, c'est une fois dans une vie, t'as capté? Once, it's a lifetime. Tu vois, une fois dans une vie. Donc, on va aller là-bas, regarder comment c'est. Et peut-être j'en profite aussi pour acheter Astrobot. Voilà. Comme ça, vous avez la timeline de à quelle heure je tourne cette vidéo. Peut-être que voilà, des gens vont jouer à NBA 2K25. Moi, je joue à Astrobot. Oui, je sais pas comme vous. Bon, les mecs, c'est parti. Bon, l'ascenseur, c'est un peu la chienneté, mais c'est parti. Le Paralympique, yes, bébé. Alors là, les frérots, je suis vers le collège Romain Rolland. Le thème, ce qu'il y a aussi. Je sais pas si vous. Attends, je sais pas si vous voyez. Mais pourquoi il ferme comme ça? Bref, il y a un hélicoptère. Oh, le flop. Je voulais filmer un hélicoptère, j'ai eu du mal. Bon là les gars, le temps il est pas ouf, il pleut un peu, mais là je vais vous montrer un peu la ville comment elle est. Voilà, on voit là, il y a du monde qui attend là. Et il y a je vous jure les gars, c'est la première fois que je vois autant la police. Ça par contre ça me choque. Là ici il y a la police. Théma, tout ici est bloqué. Là il y a le big écran. Voilà les mecs, là on y arrive. C'est là où il y a quand même pas mal d'activités. On va voir ce que ça donne. On peut le voir là, l'écran juste ici. Mais ici tout est bloqué. C'est-à-dire la carie, pour ceux qui mangent encore au McDonald's, vous pouvez même pas aller au drive. Je suis cuit. Là il est en train de bouder. Ah, je suis mort. Quand même, il y a du monde. Hein. Oh, il y a embrouille. Il y a brouillon. Il y a brouillon. Bonne histoire de barrière. Hey, j'attends juste que je vois un passage arriver ici. Après je pile. J'allais manger, j'ai faim. Montre un peu là. Là c'est le big écran qu'ils ont installé pour que les gens puissent suivre la cour, le paracyclisme. Et normalement, il y a un passage où ils passent par là. C'est un peu long. Hein. Après, je pense que le véritable main event, ce sera le samedi, je pense. Après, je connais pas très bien les règles, mais je pense que ce sera un samedi, la véritable course. Oh, il y a la police là-bas. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va arriver. Oui, c'est juste de la merde. Ah si, il y a quelqu'un. J'étais. Ça, c'est un courage. Aïe. Bravo. Voilà, je peux le dire. J'ai officiellement regardé les Paralympiques. Voilà. Il n'y a plus d'excuses. Voilà, moi, j'ai contribué au JO. J'ai regardé. Maintenant, je vais aller manger. Mon pas, j'ai un peu faim. J'allais manger. Et je vais aller acheter mon jeu Astrobot Playroom. Non, c'est fort. On mange, on voit les Paralympiques. C'est quoi ça? C'est une caméra. Prends-moi la photo. Tiens. Vas-y. Y'a pas de soucis. Attendez là, je mange. Mais j'ai la bouse grisaille. Non, le monteur, j'espère que tu vas mettre de la crème. Pardon. Ouais, je mange. On se capte à l'heure. Ouais. Ouais les gars, c'est vers là. Le youtubeur espagnol, il a mis une réputation de fou à la ville. C'est quand il est parti là-bas. Non, quand il est dans ces bâtiments-là, il a serré, après Adil, il abuse. Il est parti dans un bâtiment qui était détruit, wesh. Il est en cours de destruction. Non, espagnol, fumier. Ouais, je vais à Leclerc, là. Là, il y a le train, je vais prendre le train, là. J'arrête plus de marcher, ça. Oh, après, il est loin, le train. Ah, oh, nique sa mère. Ah, oh, nique sa mère, oui, je vais marcher. Non, j'ai trop hésité. Je vais marcher. Le marché était, il y avait le TK juste là. Juste là. Mais comme je suis une AW là, je voulais pas courir. On va marcher les mecs. Donc là je vous montre le paysage de Clichy. Ah ouais. Les gars, elle est là la bibliothèque là. Et juste ici là, j'ai avancé. C'est là où pendant les émeutes, ils ont détruit la bibliothèque. C'est un move que j'ai jamais compris et que je vais jamais comprendre et je comprendrai toujours jamais. Bon, l'hélicoptère il fait chier, il croit qu'on est dans Rainbow Six ou quoi? Bon, on se retrouve à Leclerc en direct. Je dis pas qu'on est dans une zone hostile. Mais ma caméra coûte cher, voilà. Ah les gars, on a Leclerc. N'est-ce pas ce que tu veux? Je dois prendre mon jeu. Astrobot, Playroom. J'aime bien, il est où? Regardez le scandale du siècle. 59 euros jusqu'à Izen. Non, je trouve ça honteux. Ils ont mis les décors et tout. Mais je sais pas, il est où? Genre, Théma, il y a les affiches, tout ça. Mais là, il est pas en vente. Peut-être qu'il a Leclerc, hein. Pas l'espace culturel. Bref, je vais aller voir Leclerc ici. De pas là,
Je l'ai. Le jeu est disponible demain. Je me suis déplacé pour rien. Je suis fatigué là. Gaspille mon énergie pour que dalle. Pour une fois, j'ai cru que les magasins allaient servir à un bail. Il est disponible demain. Autant que je le prends en digital. Non, je suis triste. Alors là, il faut dire que je suis très triste. Vas-y, je rentre chez moi là. Là, il n'y a plus de vidéo. C'est fini les Paralympiques là. C'est au revoir. Bon, les frérots, hier, j'étais parti regarder les Paralympiques et je voulais me procurer le jeu Astro World. Astro World, ouais, je suis fou. Astro Bot. Mais il n'était pas disponible. Voilà, là, c'est le jour de sortie. On est le 6. On va aller le copter. Ah, ça va, c'est un sneaker sur le bail. On va aller le prendre. Et on va aller jouer à ce bon jeu. Hein. Je pense qu'il serait Gauthier, les frérots. Gauthier 2024. Ce sera pas le jeu du singe. Ce sera le jeu du robot. Les gars, dingueries. C'est le dernier. Non, j'ai eu de la chance, hein. Eh oui. Je les ai. Eh, je vais faire une édite de Guedin après, vous allez voir. Non, c'est fort. Non, les gars, là, je vais faire un truc stylé normalement, là. Ah, j'ai raté! Oui les frérots, à l'heure où je vous parle là, on va partir, normalement je devais partir avec Joël et Kebab, comme Joël l'a cancel, Kebab et la cancel aussi, suceur, non je rigole, là je vais partir direction à Boulogne pour, comment ça s'appelle, une soirée privée pour Dragon Ball FighterZ, enfin FighterZ, je trouve, Parking Zero, voilà les gars, on va voir comment ça va être, ça fait ça les fêtes de suceur, comme je le dis. Les fêtes où ça suce, mais vas-y, moi je vais aller juste pour jouer, voilà, moi je suis un grand gamer, je veux jouer seulement, voilà. Test de BZ, on va bien bon là. Voilà Alex, il va jouer à DBZ là. Comment Alex, t'aimes bien? Moi je trouve le jeu est hyper beau déjà. Ouais, en fait, il est beau. Il y a un problème avec le focus, je trouve. Mm-hmm. T'arrives vite à pas comprendre comment ça marche, tu vois. Je trouve, perso. T'es un peu déçu? Non, je suis pas déçu. En vrai, c'est un Tenkaichi, tu vois. C'est un Tenkaichi et c'est la même chose. Mais juste, je me dis, en vrai, le jeu est hyper beau, quoi. C'est un Tenkaichi beaucoup plus beau, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est très très beau. Hein. Mais est-ce que tu mets 80 euros là-dessus maintenant? En vrai, je pourrais. Ah ouais? Ouais, je pourrais. Ouais, je pense pas, ouais. Ah ouais, t'en penses pas? Ouais, je pense que tu mens. C'est trop une merde. 80 euros, non. T'as capté? Attends, je vais tester la version 3 persos. Vas-y. Moi, je pense que t'es un fan de DBZ. Vas-y, le jeu, tu vas le kiffer dans tous les cas, t'as capté? Mais vas-y, moi, je kiffe DBZ, mais... En fait, le problème, c'est là qu'il n'y a pas du 1 contre 1, là, je... Oui, ça, c'est un problème. J'attends de voir ça donne quoi, vraiment, 1 contre 1, là, mais... Parce que contre l'ordinateur, vas-y, c'est marrant en 2 minutes. Non, mais... En fait, ça, en écran 100D, ça va être un bordel, hein. Ouais, c'est ce que c'est pour ça, en fait, à la base, ils voulaient pas mettre, je pense, hein.
Non, en vrai, le jeu est bien, mais c'est pas une phase B, quoi. En fait, c'est pas la claque que j'ai pris quand j'ai regardé, quand j'ai joué à Fighter sur ma première fois, tu vois. Ah ouais, ouais. Après, tu penses que ça va être un jeu un peu e-sport ou pas du tout? Pas du tout, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Comme Naruto Storm Connection, non? Oh, le bâtard, oui. C'est transformé. Attends, ça... Non, je... franchement, le jeu, il est beau. Sans... Non, le jeu est trop beau. Ouais. Ah, ça... Oh, non. Ah, ça... Hey, j'ai l'impression que t'es Yom. Non, je suis pas Yom. Non, c'est pas le scandale du siècle, c'est ça. C'est vraiment pas scandale du siècle. Ah, mais au calme, les fans de Dragon Ball, ils seront contents. Quand même, hein, tu joues quand même. Hein. Troisième match. Moi, j'en ai fait deux, ça m'a fatigué. Ah ouais, non, moi j'essaye un petit peu, je regarde comment ça fonctionne. Quand même, le roster, il est pas mal. Hein. Le roster est bien. Même si c'est. En vrai, c'est pas mal de doublons. Parce que tu veux prendre juste un perso, il peut se transformer en, ah ouais, en plusieurs, ouais. Tu veux prendre la forme de base et te transformer. Alors là, franchement, tu lui mets un coup, il meurt. Arrête, tu vas pas mourir. Attends, t'as remontada. Ah, c'est dingue, c'est dingue. C'est un ordinateur dans l'IA, l'IA ta graille. Non, je voulais tester des trucs, tu connais. Ah, calme, calme. Ouais. Mitigé. Je l'aurais testé pour voir. Ah ouais. Pour mieux comprendre. Oulala, je suis mort. Ouais, ça fait deux fois que tu meurs contre l'IA. Non mais pourquoi il fait pas le Kamehameha Interprise? Si, il fait, c'est juste qu'il a esquivé. Hein. Ouais, quand même, hein. Ouais, hein. Ouais, quand même, deux fois. C'est dur, hein. Ouais, on est dans ton restaurant fétiche, là. Pas fétiche, mais c'est bon, un bon. T'es venu, il y a trois hommes qui t'ont serré la main. C'est pareil à la chicha, hein, je dis bonjour à tout le monde. Hein. T'es trop dans l'industrie, trop connecté avec. Le truc en vert, c'est pas un peu plus cher de base. Il est riche. Ouais, mais quand même. Après, moi, j'ai pas stream, je suis pas si riche que ça. Bah ouais, mec, mais après, moi, chaque été, je fais ça. Ça fait déjà la quatrième année que je fais ça. Le stream, ça te casse les couilles un peu. Ça te casse les couilles. De plus en plus. En plus, c'est comme je deviens pas vieux, mais tu sais, j'approche de la trentaine. Je ne vois pas du tout faire ça toute ma vie. Genre, vraiment pas. Youtubeur, peut-être. C'est plus intéressant, mais en fait, c'est pour ça que je suis de moins en moins. C'est pas très ans, même pas. C'est marrant de faire le jeu sur Internet. Mais stream, c'est pas forcément un truc quand même. Alors, franchement, les gars, ça fait mal à ce que vous dites. Ouais, y'en a, ils sont pour des streams posés en détente, c'est. Mais c'est juste en vrai, tu vois. Qui fait ça et ça fonctionne? Tonton. Voilà. Non, mais on peut t'en sortir quand même, ouais. Moi, je trouve ça un stream, genre Mister Ennis. Pourquoi? J'ai jamais regardé. Parce qu'on est vieux, il n'y a plus personne. Ah, pour ça, c'est à partir d'un certain âge, c'est interdit. Non, mais c'est vrai. Je suis pas trop d'accord avec toi. Voilà, il m'a pris ça, Alex, là. Il m'a conseillé ça, là. Merci. Mets ces épices-là sur les pas, c'est quoi? Lui, Grec centre. Eh ouais, mec. Tu t'es cher comment pour faire le marathon? Dans un coup, tu dis, vas-y, je vais faire. En fait, c'est orange, il m'envoie un message. Ouais, gros, je fais le marathon, je fais ok. À partir de là, mec, bah, tu dis que t'as cet objectif-là en tête. Du coup, tu fais tout pour le faire, quoi. Tu me contactes fin mai. Un marathon c'est le 10 août, j'ai vu un marathon généralement, tu prépares un marathon, tu prends au moins 6 mois. Mais après moi j'ai toujours eu des facilités à courir. Parce que genre j'ai le corps pour, tu vois, genre j'ai des longues jambes, je suis fin, donc en vrai ça le fait. Le problème c'est juste les muscles et le rythme de vie de l'air. Moi j'ai guetté la vidéo de Zach un peu là. Non, fallait avoir du mental, je pense. Moi je pense que je sais pas si j'aurais assumé un truc comme ça. Je te jure que le mental ça fait 60% du truc. Ça se voit. C'est trop dur. Oui. La vidéo, t'as bien produit, toi. Moi, je me la suis trop donné pour la vidéo. Mais elle fait pas trop de vues, c'est dommage. Après, ça fait trop longtemps que j'ai pas sorti de vidéo YouTube. En plus, entre temps, je me suis fait hacker, ça m'a niqué mon référencement, en fait. Donc, un mec, tu sais que vraiment, pour que ma vidéo elle marche au fond, c'est surtout la vignette, le titre et l'algorithme. Parce que tu dire que t'as plus d'efforts du monde, même si ta vidéo, je sais pas, ton XT fait 10 milliards K, gros, ça ne donnera pas forcément 5 minutes, quoi. Donc, ça, c'est le genre de vidéo. Ça prend des vues sur la durée, tu vois. Cette vidéo, je m'en suis trop tué. Mon cousin, il faisait une journée pendant deux mois. Il a du très matos, mon cousin. C'est ça qu'il voulait l'approcher pour l'embaucher. C'est qu'il ne fait pas du tout YouTube. Lui, il est tout seul. Et en fait, il voyage à travers le monde. Et il parle aux gens. Juste comme ça, tu vas faire une petite, tu vois. C'est vraiment son type qui veut faire de ça son taf. Comme le mec, j'irai dormir chez moi. Exactement. En fait, mais.
pas dans le même style, parce que lui, c'est le mec, il a un sac, lui, c'est vraiment, il a sa caméra, et il filme les gens, il leur parle. Ils ont des petits formats documentaires, genre par exemple, il y a le séisme en Turquie, et lui, à la fin, il veut prendre ça pour qu'il finisse, comme des gens comme ça. Ouais, je sais pas. Lui, il diffuse ça au cinéma, car en fait, tu vas aller voir le cuisine. Je vais le dire. Ouais, vous avez l'invité ? Si je parle plus de jouer, tu vas aller. Hein. Il y a plus de jouer ? En fait, ce qui me casse le plus, c'est de voir les gens. Ouais. Moi, je suis trop aigri. Je ne vois pas aigri, mais. D'accord, il y a trop de déchéanceurs. Ouais, parce que ça suce trop. Non. C'est ça. Mais là, gros, là, ça est vraiment la barre dessus. Parce qu'à la base, je voulais que j'aille avec lui. Parce que lui, les Français, il n'aime pas. Après, il a deux autres comme ça, il pourrait être comme ça. Mais... La vidéo d'autres mecs, c'est pas bien vu le truc de la plateforme, je pense. Tu penses? Ouais. En tant que streamer, je suis, je vais bien réagir dès que ça va être sur YouTube. Elle dure 2h40 ta vidéo, je crois. Moi, je pense qu'elle dure 2h40 ça va faire 20 millions de vues. Enfin, 20 millions quoi? Dès le début ou? Moi, je crois que dès le début, ça skate, vas-y. 3-4. Non, plus. Dès le début, ça dure 2h40. Beaucoup plus, frère. 2h40. Dis-toi déjà, il a posté un truc sur Insta, son reel se fait un million de likes. Ouais, je sais. Je sais que c'est une dinguerie. Mais là, on parle d'une vidéo qui va durer 2h40. Non, frère. Pour moi, en plus, il sort un samedi, moi, dimanche, j'espère. Moi, je pense à faire 3-4 en 24 heures. Pour moi, en 24 heures, il fait 10. 10 ou 3-4. Après ça, il va faire quoi? Parce que comme il a fait un truc de ouf, hein. Bah ouais. En fait, c'est ça qu'on dit. Et le problème de l'influence, c'est que les gens veulent toujours plus dans la paix. Donc, un serveur Rust qui est géré. Ah ouais? Quoi Rust? C'est un truc de survie. Arrête, vas-y, ça c'est tout le délire de MrBeast. Donc, t'as vu. En vrai, c'est stylé, mais c'est pas aussi incroyable que des vrais tacapés ou quoi. Je pense en vrai, il faut dans moi. Trop accompagné. Je pense qu'il n'y aura pas dans les images. Quand je vais fatiguer, ça devait juste le mettre sur le dos d'un lama avant. Et un jour, j'étais avec la vidéo de Inoxtag où il était des unis. Je dis, ouais, off, il mangeait des pizzas pour voir comme ça commençait à m'attaquer. J'ai dit, non, je m'excuse. Ils m'ont attaqué. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est nada. Alors, je disais ça pour blaguer, tu vois. C'est quoi la prochaine étape pour ce type sans déconner? Aller sur la lune, genre. Ben c'est ça, hein. Ouais. Moi, je pense que le premier créateur qui aura fait ça, il aura fini le jeu, pour de vrai. Ils reprennent tous les gros concepts de la télé, ils les sont sur Internet. Koh-Lanta avec des streamers. Un vrai Koh-Lanta. Dangereux. Un Pékin Express avec des streamers. Un combat de l'autre, c'est juste noir. Ouais. Un combat, c'est noir. T'as pas vu? J'ai donc. Ah oui, non, il a surtout tué son camarade. C'est la styliste, je crois, qui est mort dans. Un truc comme ça. Pas de passager. J'ai l'impression qu'il est con, avec tout le respect. Oui, c'est dommage, hein. Il roule vite. C'est des ballons. Il roulait à combien? 200. Ah ouais, 200. C'est vrai que c'est. Il a failli mourir aussi au final. C'est le meilleur contre de tous les temps. Ouais, mais lui, il a été en l'air. J'étais trop écrit de ce compte. Mais au fur et à mesure, je vais essayer de suite. Il dit non, en fait, il est trop drôle. Au début, c'était trop drôle. Mais c'est vrai, il a du trop. Comment un mec qui joue les trucs, vraiment, il casse trop les couilles, il est masqué. Maintenant, je commence à trouver drôle, c'est Ryan Harris. Ah ouais? Ah, parce que lui, il fait des mêmes bizarres en mode là. En fait, il est complètement fou. Il est maladie mentale, il fait trop rire.